je suis en cas ça en plus, hein. Allez. Bien. Là, c'est chaud, 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 chaud.
Moi je le sais, ils vont gagner 4-3. Là, on sent la différence quand même. Hein. On sent la différence, mais les joueurs, ils lâchent pas. Et puis, malheureusement, ils n'ont pas concrétisé leurs occasions pour relancer le match. Mais on ne sait jamais. Puis il y a quand même une bonne ambiance. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est du bonus pour le club. Et au moins, ils ont donné une bonne image du quartier. Alors là, il y a un coup franc. Mais je suis sûr qu'ils sont prenables. Si nos joueurs avaient plus confiance en eux, ils seraient moins comment dirais-je. Allez, va! C'est un but ça! C'est un but! C'était un très bon match avec une très bonne équipe du Havre hein, qui ont quand même un très bon niveau, qui jouent à très haut niveau. Maintenant on est quand même satisfait, les joueurs ont fait une bonne prestation, ils ont mis un but donc l'honneur est sauf. Et c'était une fête, il y a eu du monde et on est vraiment content de ce match, même s'il y a eu quelques petits soucis on va dire dans les tribunes. Mais globalement je suis satisfait de mes joueurs et puis des supporters. Beaucoup de monde de l'extérieur qui sont venus, qui ont assisté à cette belle rencontre. Et on est vraiment content de la prestation de nos joueurs. Merci. Il a fait un formidable, mais incroyable travail qui paye petit à petit. Et il faudra le remercier et le féliciter parce que si on a des matchs aussi comme ça sur le haut de rang et qui sont de qualité, c'est quand même grâce à lui. Et
encore une fois de plus, bravo au président du club de football des Sapins. Voilà. Merci Mamadou. Le match sur le terrain, c'était un très beau match. Hein. On a vu une très bonne équipe du Havre. Il faut reconnaître sa supériorité. Hein. C'est le CFA, donc très bien. Et qu'on faisait de bons jeunes. Nous, je pense qu'on a été aussi exemplaires. Les joueurs ont été vraiment fait un super parcours. Hein. Je suis vraiment très très fier de cette équipe puisqu'elle a démontré par son jeu et puis par sa volonté qu'elle pouvait aller loin en coupe. Et c'est une très bonne chose pour le club. Et puis il faut rebondir là-dessus pour pouvoir continuer à construire avec l'équipe qui s'est mise en place. Avec Javel et puis tout le reste des bénévoles du club des Hauts-de-Rhin. Voilà. Bah, entre les jours, ça a été parce qu'on se parlait correctement. Il n'y avait pas de. Bah, c'était dans l'esprit. Le match, c'était dans l'esprit. L'accueil a été très très bon. Hein. On a vraiment été très bien reçu par les dirigeants de Rouen-Sapin. Il n'y a pas eu de souci. Nous, on avait préparé le match évidemment pour se qualifier parce qu'on fait toujours un match pour le gagner. Et on apprend, nous, à nos jeunes joueurs qui veulent devenir professionnels à gagner des matchs. Ils l'ont fait sérieusement. Ça a été un bon match de football. On a fait un match très correct. Et puis face à un adversaire qui s'est défendu bec et ongles jusqu'à la fin, ça a été vraiment une belle après-midi. Mais ça s'est bien passé, vraiment on a ressenti de la part des dirigeants adverses vraiment une volonté de réussir quelque chose, de bien nous accueillir, d'être positif, etc. Donc je trouve que ça dans le football amateur c'est très important, surtout pour des clubs de quartier qui cherchent à valoriser les jeunes et qui cherchent à faire avancer qui cherchent à faire avancer les choses. Vous savez, dans cette équipe-là, j'en ai la moitié ou plus de la moitié qui viennent aussi de quartier, à Paris, etc. Donc ils connaissent l'environnement, ils savent ce que c'est pas toujours facile. Donc non, ils connaissent. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet aussi de venir dans des petits clubs et de voir la difficulté de la tâche et de voir que les gens doivent tirer notre chapeau à des dirigeants qui essayent de faire le maximum pour le football. Et bravo pour le travail que vous faites en tout cas. Merci beaucoup. Bravo pour le travail que vous effectuez. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et qu'est-ce que tu penses par exemple du Havre ? Il joue bien. Pour des 18. Et sinon par exemple, d'après toi, pourquoi ils ont perdu les sympas ? Parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Ils n'avaient pas le niveau ? Non. D'accord. Mmh. Et qu'est-ce que tu as à leur dire, les grands frères ? Bah, de continuer comme ça. Hein. Ouais. C'est bien. Et c'est bien pour le quartier ? Ouais.